Laurent Delahousse a grandi à Amiens dans la Somme et avant d'être journaliste, il a fait des études de droit. Côté cœur, il était éperdument amoureux de sa compagne de l'époque et alors qu'il voyait son avenir tout tracé dans les bras de sa bien-aimée, son rêve a été stoppé net. On est aux fiançailles quand le futur beau-père, patriarche d'une des plus grandes dynasties du Nord, réalise que le jeune Laurent n'est pas assez bien né. Il stoppe tout. Un coup dur pour le charmant blond qui aurait, selon un camarade, eu alors une envie de revanche. Aujourd'hui, Laurent Delahousse est un autre homme. Passé par les grands médias, aujourd'hui sur France 2, il a interviewé plusieurs présidents de la République. Il a même été sacré personnalité favorite des Français en 2014. Il s'est remis de cette rupture difficile et il a vécu de belles histoires. Il a été en couple avec la journaliste Florence Kiefer et aujourd'hui, il vit une belle histoire d'amour avec Alice Taglioni.